Jean-Clément Martin, je vous retrouve pour la troisième fois pour parler de votre dernier livre qui s'appelle Les Échos de la Terreur, qui est presque la suite de Terreur, Légende et Vérité, dont on a déjà parlé, mais celui-là il est publié par les éditions Belin. C'est un livre important parce que vous remettez les choses à leur place, on peut dire ça. Vous réaffirmez et vous redémontrez avec force que la terreur est une invention, qu'elle n'a jamais existé. Et pourtant, l'idée est ancrée à la fois dans l'esprit des contemporains, mais dans l'imaginaire français, et va constituer pendant deux siècles maintenant une ligne de fracture idéologique. On peut, pour faire vite, entre une partie de la droite et une partie de la gauche, mais c'est aussi devenu quasiment une clé de compréhension du monde contemporain. Donc on va parler de tout ça. On va commencer par un problème qui est important, qui est le problème du vocabulaire. Parce qu'on a, on peut dire, trois périodes dans l'invention de la terreur. On a 93, 94, et ensuite ce qui va suivre, la période contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le sens du mot terreur en 93, en 94? Expliquer la terreur comme une invention, vous avez raison, c'est le mot qui convient. Nous sommes quelques-uns à le dire clairement. Je pense nommément à mon collègue Michel Biard, qui a écrit aussi que la terreur avait été inventée. Ce qui veut dire très clairement que ni lui ni moi ne minorons ou n'excusons les violences commises. Je pense qu'il faut commencer par là, pour que ça soit très clair. Il ne s'agit pas de dire que la période dite de la Révolution, parce qu'il n'y a pas eu de terreur, on va l'expliquer, a été une période sans violence, sûrement pas. Donc il n'y a pas de faux procès à nous faire. Lui comme moi avons bien dit et répété que les violences étaient importantes. Enfin, en ce qui me concerne, sur les guerres de Vendée, je pense que mes positions sont suffisamment connues pour qu'on n'y revienne pas. Sur le vocabulaire, vous avez raison. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que dans une période qui a été extrêmement riche en invention des mots, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre. Même le mot « révolution » que nous prenons aujourd'hui comme si nous savions exactement ce que ça veut dire, n'est vraiment pour de bon, si je puis dire ça, comme ça, avec tous les événements qui se produisent depuis 1770, où on emploie vraiment le mot dans le sens qui commence à émerger, et puis définitivement le mot est fixé, on va dire après 1790, et surtout 1793-94. Là, le mot est fixé. Bon. Et c'est la même chose pour le mot terreur, qui est un vieux mot, qui est quelque chose qu'on utilise depuis l'Antiquité, bien sûr. Le mot terreur, dans les premières années de la Révolution, désigne clairement les méthodes que les tyrans, les despotes, je ne dis pas les rois, hein, bon, les tyrans, les despotes mettent en œuvre pour faire peur et pour gouverner. Ça date de Montesquieu. Montesquieu va dire « les rois gouvernent par l'honneur, les républicains par la vertu ». On reconnaît déjà la Révolution. Et les tyrans, donc des gens qui exercent un pouvoir dangereux, violent, gouvernent par la terreur. Et les révolutionnaires, comme Robespierre, qui sont tous passés par le même modèle, ils ne veulent pas être des despotes. Donc c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et ce qui va se passer, c'est que le mot terreur va être au contraire réclamé par des petits groupes de sans-culottes qui vont vraiment imposer un débat là-dessus. Les sans-culottes, pour être clair, c'est l'extrême gauche de la Révolution française. Oui, on peut dire ça comme ça, même si c'est très très compliqué en fait. Bon, le mot sans-culottes, là aussi c'est un mot qui naît, 1791, on ne sait pas trop. En 1792, il est usuel, qui désigne les hommes qui ne portent pas de culotte, c'est-à-dire qui portent des pantalons. Voilà. La culotte est réservée à l'aristocratie ou à la très bonne bourgeoisie, avec le bas qui va jusqu'au genou et la culotte qui est serrée au genou.
Et le pantalon rondin, c'est le pantalon du travailleur, notamment du travailleur manuel. Donc, ceux qui ne portent pas de culotte, ce sont ce qu'on appelle le quart état, le quatrième état. Le tiers état, c'est quand même aussi les gens qui ont de l'argent. Et le quatrième état, c'est les gens de peu, ce sont les manœuvres. Mais ce sont aussi un certain nombre de gens qui, éventuellement, peuvent être riches. Pas très riches, mais riches quand même, parce qu'ils ont une brasserie, parce qu'ils ont une entreprise de menuiserie, on en trouvera certainement tout à l'heure. Enfin, donc des gens qui peuvent avoir une vraie aisance, mais qui sont malgré tout, qui ne sont pas considérés comme de bons citoyens. Ils n'ont pas suffisamment, d'ailleurs, d'argent pour voter en 1790. Bon, ils sont dans les citoyens passifs. Et ensuite, ce sont aussi des gens, alors, ils ont des pantalons et donc pas de culottes, et en haut, si j'ose dire, sur la tête, ils ont des cheveux plats, ondulés éventuellement, mais ils n'ont pas de perruque. Donc, on les voit tout de suite dans la rue. Ce sont ces gens. Alors, est-ce qu'ils sont les plus pauvres? Non. On a affaire plutôt aux travailleurs, aux patrons, aux petits patrons, les petits patrons qui craignent d'ailleurs que leurs ouvriers puissent avoir des opinions plus radicales qu'eux. Enfin, on le voit bien. Et donc, le mot sans culotte progressivement va naître pour désigner tous ces gens dont une partie va dans des clubs qui ne sont pas les clubs des Jacobins, donc des clubs de pauvres, enfin de gens qui ont un petit peu d'aisance, mais la cotisation ne coûte pas cher, et qui notamment pour une partie d'entre eux vont dans ce qui s'appelle le club des cordeliers. Danton l'avait un peu créé, va s'en retirer, il y a un deuxième club des cordeliers qui naît, dans lequel se retrouvent ces gens. Alors qui disent quoi? Qui disent que les députés des assemblées ne vont pas assez loin. C'est ça à peu près ce qu'ils vont dire. Bon. Notamment à Paris, mais dans d'autres villes aussi, que les autorités municipales ou nationales ne font pas une révolution sociale. Ce qu'ils veulent, c'est une révolution plus sociale. Et parmi ces sans-culottes, il va y avoir en plus un petit groupe qu'on va appeler les enragés. Bon, évidemment, c'est pas eux qui vont prendre ce nom-là, parce que c'est aussi une condamnation. Et ces gens-là, qu'on connaît assez bien finalement dans Paris, réclament en plus, si j'ose dire, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ils sont extrêmement minoritaires et extraordinairement mal vus. Bon. Et dans ce groupe très compliqué des gens qui revendiquent une autre révolution, mais qui sont attentifs à ne pas être dans l'illégitimité, hein. Enfin, c'est très compliqué. Hein. Bon. Il va y avoir notamment un individu qui se détache nettement, c'est Hébert, avec l'invention du Père Duchesne, ce journal où il emploie volontairement un langage grossier, des revendications extrêmement virulentes, la peine de mort pour beaucoup de gens, etc. Donc c'est un ensemble très, très complexe et un ensemble qui va s'allier avec la partie des députés de la Convention qui s'appelleront les Montagnards. Il va y avoir une espèce d'alliance entre eux, contre ceux qu'on appelle les Girondins, mais aussi contre les enragés. C'est-à-dire que les sans-culottes du centre, si j'ose dire, autour d'Hébert et des Cordeliers, vont réussir à éliminer les Girondins et vont réussir à éliminer les enragés qui les menacent sur leur extrême gauche. Bon. Et ce sont eux, au passage, qui ont joué un rôle considérable dans la chute de la monarchie le 10 août, avec cette alliance, avec quelques-uns, des députés comme Danton, des Moulins. Donc mais tout ça, c'est, comment dire, ce sont des alliances éventuellement fragiles, conflictuelles aussi, parce que tous ces gens-là veulent prendre le pouvoir, et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les conventionnels et les montagnards qui prennent le pouvoir à la fin de 1793, dont Robespierre, ont besoin d'eux, ne peuvent pas s'en passer, et quand ils le pourront, s'en débarrasseront. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que on est dans ce jeu de tous ces gens sont assis sur des sièges éjectables. C'est une
forme de dialectique. Absolument. Parce que personne ne sait vraiment ce que ça va donner, ce que ça peut être, et comment ça peut marcher de mettre la terreur. Voilà. Alors, mettre la terreur à l'ordre du jour. Bon. C'est un point, pour dire la vérité, moi, qui m'a surpris aussi il y a plus de 15 ans, quand je me suis penché pour la première fois sur cette question-là, que je me suis dit, mais est-ce qu'on peut avoir des preuves précises de ce qui se passe? Bon. Alors, ce qu'on sait d'une façon certaine, c'est qu'à partir de mars 1793, et surtout de mai 1793, c'est-à-dire le moment où les Girondins ont disparu de la circulation, si je puis dire ça comme ça, que les Montagnards sont en train de prendre le pouvoir à la Convention, ils sont affrontés à la guerre sur toutes les frontières, ça, il ne faut jamais l'oublier, et ils sont confrontés aussi à la guerre de Vendée qui a commencé, pour faire bref, en mars 1793. Donc, il y a des menaces qui sont absolument considérables. Et dans cette histoire-là, les Montagnards ont besoin des troupes sans culottes de Paris. Les choses sont évidentes. Bon. Et il y a, là, à partir de mai, un des délégués des sans-culottes de province à côté de Lyon, qui va jouer un rôle très transitoire mais important, qui va réclamer à plusieurs reprises que l'on mette la terreur à l'ordre du jour. Au sens strict, on ne sait pas ce que ça veut dire. À l'ordre du jour, de quoi? De la Convention, éventuellement. Il y a deux ordres du jour à la Convention. C'est une assemblée qui décide la veille des sujets dont elle va traiter le lendemain. Donc c'est ça l'ordre du jour. Est-ce que ça désigne l'ordre du jour de la nation, qui serait symbolique, un peu allégorique? On ne sait pas. En tous les cas, à partir de mai, on réclame chez les Cordeliers qu'on mette la terreur à l'ordre du jour. Et on sait que le 5 septembre 1793, il va y avoir un groupe de sans-culottes et du Club des Jacobins qui va traverser la Convention, et à l'issue de leur passage et d'un débat extrêmement vif, très très virulent, Barrère, qui est à ce moment-là le porte-parole de la Convention, c'est lui qui est celui qui organise avec Danton l'ensemble des débats, va remercier, il va le dire, brave sans culotte, vous avez demandé que la terreur soit à l'ordre du jour. Nous vous avons entendu. Et nous vous octroyons une armée révolutionnaire et nous allons légiférer sur les suspects. La loi révolutionnaire, l'armée révolutionnaire, pardon, qui est mise en place, sera dotée de nombreux fantassins et de cavaliers, mais l'armée révolutionnaire n'aura ni tribunal ni guillotine. C'est-à-dire, dit autrement, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Tous ces gens-là sont extrêmement précis. Cette armée reste sous le contrôle de la Convention. C'est-à-dire qu'en aucun cas, les sans-culottes qui vont rentrer dans cette armée auront la liberté absolue de faire ce qu'ils veulent dans la justice. Ils ne peuvent pas. Oui, en aucun cas, on peut imaginer des hordes de sans-culottes ou autres se répandant partout, massacrant, guillotinant. On leur dit c'est pas possible. Bon, donc, on crée une armée révolutionnaire, mais la Convention garde le contrôle. Pire que ça, la Convention fait passer cette armée révolutionnaire et le jour même décide que les sections parisiennes, les rassemblements d'électeurs dans Paris, et puis c'était les sans-culottes qui menaient les débats, ces sections ne pourront pas siéger en permanence. Elles ne siégeront que deux jours par semaine. Et que les assistants pauvres seront rémunérés. Dit autrement, la Convention organise la surveillance de la vie politique parisienne. Pire que ça, les enragés, on les met en prison. Et là, voilà, les sans-culottes historiques, si je reprends ma formule, vont être maintenant libres, ils n'auront plus personne contre eux sur leur extrême gauche. Donc ce jeu-là, et c'est pas un jeu qui serait imprévu. Non, c'est un jeu très bien pensé. Et c'est comme ça que quelques jours après, la Convention décide de la loi des suspects, alors qui fait peur à tout le monde, la loi des suspects. C'est vrai que ça fait peur à tout le monde, on va dire le contraire. Sauf que la loi des suspects, c'est très exactement dire, lorsque vous
mettrez telle ou telle personne sur une liste de suspects, vous devez en rendre compte à la convention sous 10 jours. Donc le contrôle, il est là. Ça ne veut pas dire que les sans-culottes ne sont pas dangereux, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas puissants, ça veut dire surtout que la convention est en train de les contrôler. On est en septembre, un mois après les élections, enfin un mois après, oui, les élections vont commencer à être supprimées, 2 mois après, c'est le gouvernement révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de démocratie en France, et c'est la convention toute seule. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, on a dit aux sans-culottes, vous voulez la terreur, c'est très bien comme idée. Il n'y a pas de loi, il n'y a aucune inscription de la terreur dans les lois, il n'y a aucun changement des institutions, et il y a même le renforcement du contrôle de la convention qui se met en place, et qui en décembre, il faut 2 mois, mais on ne peut pas faire autrement. Hein. Je ne veux pas les justifier, mais on ne peut pas faire autrement. On met en place un contrôle qui, à partir de décembre, fera qu'on supprimera l'armée révolutionnaire, qu'on rappellera à Paris tous les gens qui ont mis des tribunaux en place, Carrier à Nantes, Tallien qu'on va retrouver tout à l'heure à Bordeaux, Fouché à Lyon, Barras à Marseille et à Toulon. C'est-à-dire que cette discussion autour de la terreur, c'est dire simplement sans culotte, on vous a entendu, on ne va pas vous suivre, et ce qu'il faut bien comprendre, parce que ça peut paraître étonnant, c'est que tous les conventionnels sauf deux vont dire qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de terreur en France. Ils le disent. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les textes. Et là, ils sont tous d'accord. Et ils disent qu'il faut que la justice soit à l'ordre du jour. Bon, pas la loi du sang. Donc, on a affaire à quelque chose. Alors, est-ce que c'est clair? Ce que je dis là, est-ce que c'est clair à l'époque? Non. Il faut bien voir ça. C'est que, si on le dit autrement, les conventionnels ont fait un tour de passe-passe. Ils ont dit, on vous écoute, on ne vous donne rien, mais éventuellement, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Bon. Et ça veut dire que très concrètement, on sait qu'il y a quelques journaux et quelques clubs qui vont dire, mais je pense à Bordeaux notamment, que la terreur a été mise à l'ordre du jour. Sauf que les autres qui sont un peu plus au courant ne savent pas. Et 2 mois après, en décembre, Danton, hein, en décembre 1793, réclame, lui, que la terreur soit mise à l'ordre du jour. Il a bien compris qu'elle n'a pas été mise à l'ordre du jour. Donc, on est dans cette zone de flou, entretenue. Je ne vais pas faire des conventionnels, des petits saints, hein, ce n'est pas vrai du tout. Hein. Ils ont instrumentalisé les sans-culottes, on va le dire comme ça. On va même dire qu'ils ont laissé la bride sur le cou sans culotte en Vendée pour qu'ils tuent les brigands de la Vendée, c'est la formule du moment, mais que les brigands de la Vendée tuent les sans culottes. Bon, c'est ça ce qui s'est passé. Hein. Les conventionnels en décembre 1793, ils ont gagné des deux côtés. Bon, donc on a affaire là à quelque chose qui est un jeu politicien, là aussi j'emploie le mot à dessein, un jeu politicien avec suffisamment de flou pour que cette terreur soit inventée dans ces conditions-là, pour de mauvaises raisons. Oui, on en a déjà parlé, mais on s'aperçoit que ce sont des hommes politiques qui réfléchissent à ce qu'ils font. La révolution n'est pas un bloc monolithique qui avance vers l'apocalypse. Ou que non. Ni vers l'apocalypse, ni vers le bonheur universel. Voilà. Donc on est en 93, et en 94, de parler de la terreur 94, oui. Il faut qu'on fasse une toute petite parenthèse. Il faut que vous nous disiez qui est Robespierre, oui. Qui est Tallien, qui est l'inventeur de la terreur, que s'est-il passé le 10 Thermidor 1994, et ensuite le fameux discours de l'invention de la terreur. Alors, est-ce qu'on peut remonter un tout petit peu plus loin encore, parce que pour beaucoup d'auditeurs, je pense qu'ils attendent. Robespierre, en février 1794, va prononcer un discours extrêmement important dans lequel il va parler de la terreur et de la vertu. Bon, en disant que la terreur sans la vertu est dangereuse et que la vertu sans la terreur ne sert à rien. Bon, si je résume rapidement. Et il va dire aussi que il est certainement souhaitable que
il n'y a que très peu d'individus qui se sacrifient au despotisme de la liberté. Formule extrêmement compliquée que j'ai eu du mal. Moi, je ne vais pas vous dire que je suis plus malin que d'autres, hein, que j'ai eu beaucoup de mal à essayer d'interpréter. Je pense que je n'ai pas tort maintenant dans mon interprétation, mais c'est que c'est compliqué. Alors, terreur et vertu, ça revient, et pour moi, c'est quelque chose qui me semblait évident sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'en 10 ans, il faut la terreur et la vertu pour que les bons citoyens ne soient pas concernés par la violence. Ce que Robespierre fait là, il envoie un signal aux sans-culottes en leur disant, bon, déjà qu'ils ont perdu leur pouvoir. Et Robespierre envoie un signal aux sans-culottes en leur disant, vous n'avez pas le droit de faire la justice vous-même. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment que la vertu guide l'exercice de la violence, et là, c'est réservé aux conventionnels, bon, qui ont supprimé les armées révolutionnaires, qui ont centralisé la justice, etc. Donc, on est en février 94. Il est clairement, il leur a dit, les conventionnels sont derrière lui, hostiles à la terreur. Mais il est accusé aussi d'être toujours dictateur. Robespierre, à partir notamment de mai 1794, il le sait, les autres lui disent, il est un dictateur, il est un tyran, et il faut qu'il se justifie tout le temps. Et c'est comme ça que le 8 Thermidor 1794, c'est-à-dire le 26 juillet 1794, 8 Thermidor en deux, à la Convention, Robespierre fait son dernier grand discours, qui est énorme. Enfin, je ne sais pas combien de... C'est hallucinant. C'est combien de temps a-t-il parlé? C'est incroyable. Et dans lequel il dit à deux reprises qu'il est contre le système de terreur. Il le dit clairement. Il dit, mais moi, je n'ai jamais voulu rentrer dans ce jeu-là, je ne peux pas appliquer le système de terreur. Et il accuse les autres, dont un certain Tallien, de vouloir fomenter un complot contre lui. On est le 8 Thermidor. Dans la nuit du 8 ou 9 Thermidor, Robespierre certainement dort sur ses deux oreilles, parce que il a autour de lui un noyau d'amis qui le protègent et qui tiennent tous les pouvoirs à Paris, on y viendra peut-être, mais il a normalement une puissance dans Paris importante. En revanche, un certain nombre de gens dans la Convention vont véritablement organiser l'accusation du lendemain contre lui, le 27 juillet 1794, qui fait qu'à partir de 11h du matin à peu près, on lui interdit de parler, on l'accuse d'être dictateur, on l'accuse, en définitive, d'être contre-révolutionnaire, et il va rester assis sans rien dire toute la journée, avant d'être envoyé en prison. Le geôlier du Luxembourg le refusera. Il va un petit peu errer autour de l'île de la Cité, rejoindre son frère et ses amis, place de Grève, donc dans l'hôtel de ville de Paris d'aujourd'hui. Et puis, sur le coup d'11h du soir, une minuit, essayer en quelque sorte de faire un coup d'État contre la Convention, qui va échouer. Et ce sont les conventionnels, s'appuyant sur certains sans-culottes, on va les retrouver ceux-là, les fameux enragés qui ont des comptes à régler, qui vont s'emparer de lui. Et le 10 Thermidor au matin, il a reçu une balle dans la mâchoire. Est-ce qu'il a voulu se suicider? Est-ce qu'on lui a tiré dessus? On n'en sait rigoureusement rien. Et donc il se retrouve blessé, allongé sur une planche, et il sera rapidement jugé, enfin pas jugé, il passera devant le tribunal révolutionnaire. C'est la loi. Quand on est contre-révolutionnaire, il suffit que l'identité soit prise, et ça suffit. Donc on prend son identité, et à 6h du soir, le 28 juillet 1794, 10 Thermidor, on l'envoie à la guillotine. Alors, au passage, il y a quelque chose qui pour moi est important, je ne pense pas faire d'erreur, c'est de s'interroger pourquoi le 9 Thermidor et pourquoi le 10. Ce à quoi, je dirais, c'est des choses bêtes, hein, mais il faut être bête. Le 10 Thermidor, ce qui était prévu, c'était une grande fête. Bon, 200 000, 300 000 personnes, c'était prévu certainement, hein, parce que c'était ce qui s'était passé plus tôt, devaient venir
autour du Champ de Mars, dans une fête présidée par Robespierre, pour, en l'honneur de Barat et de Viala, les jeunes héros inventés, et aussi par Robespierre et Barère. Bon. Or, le problème de cette fête, c'est que Robespierre aurait été l'organisateur, Robespierre commandait la Convention, comme, enfin là, il avait vraiment un pouvoir sur la Convention à ce moment-là, et surtout, autour de lui, il y avait tous ces gens qui disposaient du pouvoir juridique et policier dans Paris. Et les gens qui étaient opposés à Robespierre pouvaient craindre que Robespierre puisse les emprisonner. Alors, est-ce que c'est du fantasme? La réponse est non. Voilà, c'est ça le problème. C'est que depuis janvier 1794, on revient un petit peu en arrière, on est obligé. Depuis janvier 1794, Robespierre et les autres, mais Robespierre avait joué un grand rôle, avaient rappelé à Paris des députés qui étaient partis en mission, j'en parlais tout à l'heure, Carrier à Nantes, qui arrive en fin janvier, Tallien à Bordeaux, Barras, Toulon, Marseille, Fouché à Lyon. Bon. Et qu'est-ce qu'il leur reproche? Il leur reproche clairement d'avoir mis en œuvre une politique de violence trop grande qui a touché notamment de bons patriotes. Ils ne se sont pas contentés d'exécuter des contre-révolutionnaires, après tout, bon, pourquoi pas. Mais en revanche, ils ont aussi réprimé des sans-culottes et des bons patriotes. Donc là, c'est le problème. Et c'est vraiment une opposition. Et puis d'avoir éventuellement un peu trempé les mains dans les caisses, et à Tallien notamment, d'avoir comme maîtresse une très jeune femme, très jolie en plus, qui en quelque sorte crée des fantasmes autour d'elle très importants, Teresa Cabarrús, qui est une fille de banquier espagnol. Enfin, il y a une aura autour de cette jeune femme, qui est très jeune femme, qui est vraiment extraordinaire, et qui est mise en prison et promise à la guillotine. Bon. Et ce qui est reproché notamment à Fouché aussi, ou à Carrier, c'est d'être athée. Robespierre est hostile à l'athéisme, il a imposé la liberté des cultes, c'est-à-dire qu'il y a là une reprise en main par des groupes de conventionnels de la justice révolutionnaire, un changement de ligne politique de la Convention, au moment même où le rôle de Robespierre se renforce. Alors que tous ces gens se sachent espionner, ils ont raison, ils le sont. Et Robespierre a ses espions, et tout le monde les connaît. Bon. Que Robespierre risque de les envoyer à la guillotine, c'est pas faux. Donc, et que ces gens-là aient fait tout ce qu'ils aient pu contre Robespierre, c'est évident. Ils ont fait courir le bruit que Robespierre voulait être le roi de la Révolution. Ils ont commencé à faire courir le bruit que Robespierre voulait se marier avec la fille de Louis XVI, qui est enfermé. Ils ont envoyé en prison une vieille prêtresse, Pitié, Catherine Théo, qui se proclamait mère de Dieu et qui considérait que Robespierre était son fils. C'est une histoire idiote. Tout le monde en rit. Sauf que Robespierre a commis la bêtise de vouloir sortir Catherine Théo du tribunal. Il marche, oui, il bêtement. Même la thèse. Il accrédite la thèse. Bon. Et puis, pire que ça, et ça c'est quelque chose qu'il faut admettre, mais que Robespierre a vu et qu'il n'a pas pu empêcher, ça c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'ils ont fomenté des complots dans les prisons pour envoyer des centaines de personnes en prison et laisser courir le bruit que c'est Robespierre qui en est responsable. Et Robespierre le sait. Robespierre ne veut pas arriver à casser ce bruit-là. Ça peut paraître étonnant, mais là, les limites du pouvoir de Robespierre apparaissent clairement. Sur l'opinion, il n'a pas de prise. Et il y a des banquets qui se réunissent dans Paris, qui réunissent tous les opposants, les anciens Girondins, les anciens Dantonistes, les anciens sans-culottes, la gauche, la droite, tout un tas de gens qui sont hostiles à Robespierre, qui sont en train de banqueter ensemble, et qui répandent des murmures contre Robespierre. Donc, le 9 et le 10 Thermidor, c'est ça ce qui se règle. En fait, c'est un complot qui va se dérouler juste avant cette fameuse fête. Voilà. Qui est en fait à la fois une vengeance, oui, et des gens qui sauvent leur peau. Oui, on peut dire ça comme ça. Parce qu'ils ont un risque de finir à la guillotine. Absolument.
et qui ne font pas dans la dentelle. Parce que Robespierre est exécuté le 10, en deux jours, ils envoient la guillotine, plus de 100 personnes. Et on n'en a jamais tant exécuté. Tous ceux qui étaient censés être proches de Robespierre, d'une façon ou d'une autre, tchouk, on les envoie à la guillotine, en deux jours. Et donc dans cette bande, il y a ce fameux Tallien. Alors, les comploteurs, alors c'est pas lui qui est le plus... Il y a le fameux Tallien dont j'ai déjà parlé, jeune homme ambitieux, qui a, d'une certaine façon aussi, bizarrement, mis tremper les mains, l'œil dans les massacres de septembre 1792, quand il y a eu un peu plus de 1200, 1300 morts dans Paris, dans les prisons. Tallien a joué un rôle compliqué. Robespierre était à l'écart. Robespierre a défendu les massacres de septembre deux mois après. Tallien, d'une certaine façon, a participé à la chose. C'est pas la même, c'est qu'on n'est pas sur le même plan, on est bien d'accord. Bon. Et Tallien participe donc du complot contre Robespierre, mais moi, ce qui me semble important, c'est que donc Robespierre meurt, est exécuté le 10 Thermidor. Le 11 Thermidor, le porte-parole de la Convention, l'inusable, l'inoxydable Barrère, va accuser Robespierre d'être un tyran, d'être un despote, d'être le nouveau Cromwell, enfin bon, je dirais tout ce qu'on connaît bien, hein, le truc ordinaire, si vous me permettez l'expression. Il faut justifier l'acte. On justifie l'acte. Ils étaient ensemble, pendant, ça faisait un an qu'ils étaient ensemble. Hein. Ils ont fait des coups pendables ensemble, mais là, d'un seul coup, Robespierre est devenu l'homme dangereux. Bon. Mais on est donc le lendemain de la mort de Robespierre. Il faut attendre un mois, 11 Fructidor, donc 28 août, 1794, pour que le fameux Tallien prenne la parole à la Convention et fasse un discours assez long, dans lequel, à 26 reprises, quelque chose comme ça, il va parler de la terreur. Barrère n'en avait pas parlé. Et Tallien va dire, ce qui s'est passé, ça s'appelle la terreur. Et c'est le système de terreur, et ce système de terreur, c'est 8 hommes qui en sont responsables, dont Barrère. Et bien sûr Robespierre. Non. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, Tallien fait deux choses d'un coup. Et pour moi, j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il me semble que ça a été négligé. Moi, je vois son 11 Fructidor comme un vrai coup d'État. Tallien, Barras et Fouché, Barras, qui va être le directeur du directoire après, bon, qui est immensément riche, qui va mourir dans son lit tranquillement, et Fouché qui va devenir ministre de la police, homme retors qui aura fait tous les coups les plus pendables dans la police, prennent vraiment le pouvoir contre ceux qui, à la Convention, portaient en quelque sorte la ligne dure de la Convention. Les Barrères, les Vadiers, les Billot-Varennes, c'est-à-dire le centre et l'extrême gauche. Ce n'est pas seulement les gens de droite, hein, c'est le centre et l'extrême gauche qui ont été alliés contre Robespierre. Et Tallien, là, les élimine d'un coup. Voilà. Tous ceux-là sont disqualifiés, disqualifiés au point qu'ils vont être, ils vont passer en jugement, que deux seront exilés, que les autres, on va les laisser partir, rentrer dans la clandestinité pour vivre une vie tranquille. Mais en tous les cas, les grands ténors, si je puis dire, de la Convention sont éliminés au profit d'un nouveau groupe. Ça, ça me semble évident. Bon. Et puis en même temps, donc deuxième coup, parce que ceux-là sont éliminés, et deuxième coup, on dit la terreur, voilà, c'est ce qui s'est passé. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est la terreur. Bon. Tout ce qui s'est passé, la violence, la guerre de Vendée, les prisons, allez, paf, c'est la terreur. Et il n'y en a qu'un finalement qui reste responsable, c'est Robespierre. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un, si je caricature un peu, qu'un petit bonhomme, habillé toujours d'une façon très stricte, avec sa perruque, ses yeux chassieux, ses grosses lunettes, sa voix certainement mal perchée, ce qu'il est entendu quand même, ait pu gouverner tout un pays, ait pu diriger tout un pays, ait pu organiser quelque chose d'épouvantable, inventer des terreurs, des guillotines à 9 fenêtres, créer une tannerie de peau humaine, etc., etc., soit responsable de tout, on va dire, c'est normal, c'est un monstre. Donc, Robespierre, un, est l'inventeur de la terreur, et le mot terreur rentre, pour la première fois, dans la loi d'une façon positive. La terreur, c'est ce qu'on a connu, et c'est contre cette terreur qu'il va falloir maintenant prendre des lois.
de cette terreur a été mise en œuvre par un monstre. Et là, l'idée de Robespierre comme monstre s'impose. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, parce que ben finalement, Robespierre avait dit le contraire. Robespierre va être lu et relu, personne n'accordera d'importance à ce qu'a dit Robespierre, et tout le monde accordera de l'importance à ce qu'a dit Tallien. Parce que ce qui est mystérieux dans cette affaire, c'est que tous les gens qui siègent à la Convention, ils sont là depuis quelques mois, quelques années, ils ont donc bien vu qu'il n'y avait pas de terreur. Est-ce qu'ils acceptent ça par opportunisme, par peur d'y passer aussi? Pourquoi ils rentrent dans cette affaire? Parce qu'ils ont, ils sont rentrés déjà dans plein d'affaires. Oui, c'est une de plus. C'est une de plus. Juin 1793, dans la Convention est en place depuis septembre 92. Ce sont les mêmes qui siègent en 94, moins ceux qui ont été envoyés en prison ou exécutés. Bon. Juin 1793, on sort une trentaine de députés de la Convention qu'on accuse d'être girondins et qu'on accuse d'être fédéralistes. Fédéralistes, c'est une accusation idiote. Ils n'ont jamais réclamé qu'il y ait une fédération en France. Bon, sauf un. Mais les autres, sûrement pas. Ils étaient centralisateurs. Aujourd'hui encore, on croit que les girondins sont pour la décentralisation, ce qui est faux. Mais c'est pas grave. On ne va pas tout rénover d'un coup. Donc, les députés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté, sauf 73 d'entre eux, qui ont été envoyés en prison et protégés par Robespierre. Les choses sont toujours plus compliquées qu'on croit. Bon, ça veut dire qu'il y a grosso modo, il y a 600 députés, 700, 600 députés à peu près, oui, restants, qui ont accepté ça. Bon, en décembre 1793 et jusqu'en mars-avril 1794, on envoie à la guillotine les représentants des sans-culottes, Hébert dont je parlais tout à l'heure, puis après on envoie un peu de députés à la guillotine, c'est Danton et ses amis. Que font les autres députés? Ils acceptent. Oui, un peu... Voilà. Ils acceptent parce qu'ils acceptent. Et, bon, et que les amis de Danton siègent encore à la Convention. Et qu'ils savent bien, ils se connaissent tous. C'est-à-dire qu'ils savent bien que s'ils sont mis en minorité sur des points extrêmement graves, au mieux, ils sont emprisonnés. Au pire... Il y aura l'étape finale. Bon. Donc, on est dans cette configuration-là où ils sont, si je le dis de façon un peu rapide, ils se marquent à la culotte. En fait, il y a quasiment une petite terreur à la Convention, mais qui n'est pas une terreur. Alors, j'aime pas le mot. Non, parce que le mot, ça laisserait croire que c'est accepté. En tout cas, il y a une peur. Il y a une peur. Mais c'est. Ils vivent tous dans la peur. Aussi d'être remplacés par les sans-culottes. Parce qu'ils vont dire, nous sommes les seuls légitimes, nous sommes l'incarnation de la nation, et ils suppriment les élections. Je dirais, si quelqu'un le faisait aujourd'hui, on aurait du mal à les appeler démocrates quand même. Bon, faut être clair, tout le monde s'habitue à ça en trouvant que c'est normal. C'est normal si on considère qu'il y a 600 000 hommes aux frontières, et qu'il est nécessaire d'avoir un gouvernement... de salut public, comme un gouvernement en 1917, en quelque sorte, un gouvernement de guerre. Bon, si on accepte ça, on arrive à comprendre la Convention. Mais, sauf que, en outre, entre les députés, il y a cette rivalité continuelle qui fait que cette rivalité peut en envoyer certains en prison, voire à la mort. Et donc, ce que Robespierre, en quelque sorte, illustre, c'est que tout le monde... en quelque sorte, arrête de fonctionner sur ce modèle-là. On dit on n'en veut plus. Bon, tout s'est cristallisé autour de Robespierre, tout s'est cristallisé autour du groupe qui était autour de lui, parce qu'il n'est pas seul, tout s'est cristallisé sur cette menace du dix Thermidor, et puis c'est aussi permis, disons-le simplement, par le fait qu'aux frontières, il y a des victoires, que la Vendée a cessé d'être dangereuse, on ne parle plus des brigands de la Vendée, mais des frères égarés, ce qui change quand même beaucoup les choses. Bon. Donc, d'un seul coup, tout le vocabulaire a changé, et que finalement, tout le monde, si on se débarrasse de Robespierre, on aura gagné sur tous les tableaux.
Et si vous me permettez, avec une chose qu'il faut bien aussi accepter, c'est que quelqu'un comme Tallien, et ils sont nombreux comme lui, qui ont joué des rôles dans les massacres, ont quand même intérêt aussi à faire oublier leur rôle. Et à dire, c'est pas moi, c'est Robespierre. Bon. Et ça va être un jeu qui va être joué systématiquement. Fouché est certainement le pire. Bon, il va monter une cabale contre Robespierre. Robespierre devient, là je pèse vraiment mes mots, hein, Robespierre devient le bouc émissaire. On peut s'en débarrasser, c'est lui qui est responsable de tout, et les autres sont exonérés. Au mieux, ils ont suivi parce qu'ils avaient peur, au pire, ils ont suivi parce qu'ils n'avaient rien compris. Mais tout le monde va dire, c'est la faute de Robespierre. Est-ce que, si j'ai bien lu votre livre, est-ce qu'on peut dire aussi que cette invention de la terreur, c'est un moment qui va, en quelque sorte, pacifier ou adoucir la Révolution ? Où on se dit, on a découvert, en tout cas, voilà, il s'est passé toutes ces horreurs jusqu'en Fructidor, et à partir de maintenant, il va falloir faire autre chose. Alors ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie, on va ouvrir des prisons, et puis personne ne peut fermer les portes, donc tout le monde sort. Et tout le monde raconte sa vie dans les prisons, sauf qu'au bout de 6 mois, donc on était en août 94, au bout de 6 mois, les sans-culottes réclament le retour de la révolution sociale, il y a les émeutes, et on les réprime férocement. Bon, on est en février-mai 1795, qu'en septembre 95, les royalistes gagnent les élections, veulent faire un coup d'État, qu'on les réprime, sauvagement, et qu'ensuite, tous les ans, il y a un coup d'État réprimé sauvagement, qu'il y a une centaine de villes en France qui vont être mises sous état de siège, quand même, qu'il va y avoir des gens envoyés dans les colonies pour y mourir, qu'il y aura une répression. Il n'y aura pas... La guerre de Vendée ne sera pas rééditée, si je peux dire. Bon, ça, la guerre de Vendée, c'est le pire. Mais la répression politique, elle est bien là. Par-dessus le marché, les méthodes de la Vendée, un certain Bonaparte, Napoléon de son prénom, va l'utiliser pendant la campagne d'Italie pour réprimer à Vérone et autour de Pavie des insurgés italiens. Et au sud aussi. Et au sud. Alors après, ça sera dans le sud de l'Italie jusqu'en 1815. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans une époque de révolution apaisée, on rentre dans une autre catégorie de révolution où on se tue quand même allègrement dans la vallée du Rhône. C'est la première terreur blanche, c'est au moins 2000 personnes tuées, massacrées dans des conditions pas possibles, parce que de gauche. Donc la violence n'a pas disparu, mais elle n'a pas l'importance de la guerre de Vendée, on peut dire ça comme ça. Bon. Et elle est exportée dans d'autres pays. Cela dit, le groupe qui a fait ce coup d'État a réussi son coup, puisqu'ils vont rester au pouvoir jusqu'au 18 Brumaire, quasiment. Quoi. Et même après, d'ailleurs. Et Fouché après, absolument. Ah oui, non, mais c'est eux les gagnants. S'il y a des gens qui gagnent, ce sont bien ces gens-là. Ça, c'est évident. Bon, Billaud-Varenne va rester exilé, va mourir de l'autre côté de l'Atlantique. Barrère deviendra un obscur écrivain et conseiller de Bonaparte et de Napoléon. Vadier va vivre dans la clandestinité. Mais les Fouché, et surtout Barrassé, oui, Fouché et Barras vont vivre très bien, absolument. Alors, avant de changer un peu de d'optique et de parler du contexte intellectuel et j'allais dire esthétique de l'époque, il y a une question qui m'intéresse, c'est finalement, dans cette terreur, qui est censé avoir été terrorisé ? Parce qu'on comprend que les députés avaient peur, et ça ils ont raison d'avoir peur, parce que du jour au lendemain ils peuvent se retrouver sur la planche à bascule et guillotiner. Mais est-ce que la population, parce que quand on pense à terreur, on pense aux terreurs du XXe siècle, est-ce que la population française est terrorisée par quelqu'un, quelque chose, voilà. Hors Vendée, évidemment. Oui, oui. La Vendée étant... Mais la Vendée n'a pas été terrorisée. La Vendée a été soumise à des brutalités. Non, mais c'est ça la question. C'est ça qui est inouï, c'est que le mot terreur dit bien on exerce une menace sur des individus. Ça sera le cas de la terreur soviétique. Ça va être ce qu'on appellera après la terreur nazie. On fait peur, on installe un système de contrôle et d'incapacité de parler. Bon. Mais ce qui se passe où il y a des terroristes, c'est-à-dire des gens qui commettent des attentats individuels
pour faire peur dans un pays. Parce que, et ce mot terroriste, dans ce sens-là, il va être utilisé dès les années 1820. Le mot terroriste, dans ce sens-là, c'est 1820. En 1794, quand le mot terroriste est inventé, en septembre 1794, c'est à ce moment-là qu'on l'utilise, ça veut dire, c'est équivalent à robespierriste. Et ça veut dire des gens qui ont commis des violences. Ils n'ont pas fait peur, ils ont commis des violences. Ce n'est pas la même chose. Bon. Et donc, la terreur, jusqu'à ce moment-là, désigne vraiment la violence exercée contre quelqu'un. Bon. Alors maintenant, si je réponds à votre question autrement, est-ce que les gens qui habitaient à Paris, mettons en janvier 1794, vivaient sous la peur? C'est la question. Bon. On peut le savoir parce qu'il y avait des rapports de mouchards de la police. Et on voit que ces gens-là, alors, savaient qu'il y avait des mouchards, parlaient finalement librement, aimaient Hébert de Sans-Culotte, ou aimaient Robespierre, ou s'interrogeaient sur la vie politique, mais ces gens-là aussi allaient dans les bals, pratiquement tous les lundis soirs, enfin tous les, très souvent, allaient dans les bals, les guinguettes, jouaient aux jeux, ce qui était interdit, fréquentaient les prostituées, ce qui n'était pas non plus recommandé non plus. Pire que ça, si j'ose dire, les femmes s'habillaient en dimanche le dimanche, normalement on n'aurait pas dû, non, et allaient à la messe. Et que malgré tout ce qu'on dit sur la terreur, il y avait des contraintes, des difficultés de vivre absolument considérables, un marché surveillé, des tensions entre les individus, le marché était libre, la parole l'était quand même si ce n'était pas un débat aussi important qu'on pourrait espérer, et qu'il y avait là quelque chose qui est vraiment une ville de siège, assiégée. Bon. Donc on n'est pas, c'est pas la terreur d'individus venant d'une police secrète, s'introduisant dans les maisons à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et jetant des individus systématiquement dans les prisons. Ou c'est pas un état totalitaire? Mais non. C'est ça la question. C'est que là, les différences d'opinion, on les voit, et on les voit, quand je parlais tout à l'heure des banquets fraternels, que les gens se réunissent pour faire des banquets de janvier à juillet, malgré les amis de Robespierre, qui sont à la mairie de Paris, pour moi, c'est important. Ça veut dire ils ont effectivement du pouvoir, ils n'ont pas tous les pouvoirs. C'est quelque chose. Quand Robespierre est envoyé à la guillotine, le 10 Thermidor, il traverse Paris, bien sûr, enfin une partie de Paris, les ouvriers qui sont là autour de lui, la jury. Parce qu'il trouve ça, Robespierre avait baissé les salaires, ce qu'on oublie aussi, avait baissé les salaires, et donc il y a un certain nombre d'ouvriers qui sont finalement très contents que Robespierre, avec son foutu maximum, je cite, soit puni. On n'est pas du tout dans quelque chose de très organisé. Bon. On a vu pourquoi les députés acceptent finalement ce discours et l'invention de la terreur. Dans votre livre, il y a deux ou trois chapitres qui sont inattendus, qui expliquent pourquoi finalement ce discours de la terreur a pris, au-delà des députés, dans la population, je dirais, mais surtout parmi les intellectuels, les gens de théâtre, les musiciens, les écrivains, des poètes. C'est cette espèce, s'il y a une ambiance esthétique, oui, qui favorise l'implantation d'un discours sur la terreur, et finalement les gens aiment bien ça. Alors, je ne sais pas s'ils aiment bien ça. Dans tous les cas, il y a une chose qui est claire, c'est que s'il n'y avait pas eu un climat culturel utilisant le mot terreur pour comprendre ce qui venait d'être dit, ça aurait pas pu marcher. Parler de la terreur dans les années 1790, c'est rencontrer tout le climat qu'il y a autour des romans noirs. Bon, le roman noir, pour faire bref, c'est un moine violent qui enferme dans une prison souterraine, évidemment,
une jeune fille pour lui faire subir des outrages absolument abominables et finir par la tuer. Bon, et sous un clair de lune, évidemment. Bon. Donc, le roman noir, c'est vraiment cette nouvelle sensibilité autour du sens tragique de la vie, mais du sens vraiment affreux de la vie, où les individus sont confrontés à des choses qui les dépassent. Bon. Et le mot terreur est employé à ce moment-là. Donc, on rentre là dans quelque chose qui est commun dans toutes les classes moyennes. Bon, que Robespierre soit un monstre, et un monstre terrible, c'est le mélodrame, c'est tout ce qui plaît à toute une des groupes intellectuels du moment, et c'est vraiment quelque chose qui est automatiquement accepté, entendu aussi au sens où c'est le moment où on cherche à savoir comment s'organisent les races humaines. Est-ce qu'il y a des races supérieures ou pas? C'est le début là de toute une réflexion sur les limites de l'humanité. Et Robespierre, précisément, s'il est un monstre, c'est qu'il est entre les deux. Donc, c'est beaucoup d'interrogations qui sont posées là. Bon. Et l'autre chose aussi, là, c'est vraiment toute la période révolutionnaire jusqu'en 1820. Pensez à Frankenstein de Mary Shelley. Bon. Pensez au délire romantique de tous les romantiques, Hugo, Balzac, sur les fantasmes de la tête coupée. La tête coupée, ça fait, si j'ose dire, rêver pratiquement tout le 19e siècle jusqu'en 1870. Donc on est là dans une ambiance culturelle qui fait que dire c'est la terreur, dire c'est Robespierre, dire c'est la tête coupée, ça marche très bien, d'autant plus que comme les élites de gauche n'ont pas eu la possibilité de parler, toutes les élites de droite s'en donnent à cœur joie. On va dire ça comme ça aussi. Il y a toute une littérature qui s'accumule. Ça répond aussi à autre chose. Ça répond aux grandes inquiétudes des intellectuels. Et moi, je ne les blâme pas. La Révolution a été d'une brutalité incroyable, d'une rapidité inouïe. Personne ne pouvait imaginer ça. Et personne n'a compris que cette Révolution illustre, en juillet 89, débouche notamment sur la mort du roi en janvier 93. C'est Kant, le philosophe de Königsberg, qui essaie de compliquer, de répondre à cette question compliquée en disant « Je suis partisan de l'enthousiasme révolutionnaire, mais je condamne la mort du roi. » Bon. Et il y a un penseur qui va se pencher autrement sur cette question-là un peu plus tard, c'est Hegel, qui, lui, voit plus tard rentrer Bonaparte en Allemagne, porteur d'idées révolutionnaire, et qui se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces Français aient fait une révolution aussi violente et aient réussi quand même? Parce que pour les Allemands, la révolution était un échec. Donc là, d'un seul coup, que Bonaparte arrive en Allemagne, impose des idées nouvelles, ça pose des questions. Et Hegel va réussir à résoudre ça en disant, c'est la phénoménologie de l'esprit, c'est un chapitre sur la terreur. Le mot terreur, bien sûr, a circulé dans toute l'Europe, et il va utiliser ce mot en disant, la terreur, c'est la négativité de la liberté. C'est là cet extrême dans lequel on ne peut pas rentrer. Donc, le mot terreur désigne là le moyen de comprendre, dans une philosophie générale de l'histoire, ce qui est objectivement un échec des idées les plus progressistes, et d'un seul coup là, la terreur n'est plus un accident, n'est plus une monstruosité, n'est pas une curiosité malsaine. La terreur devient un élément constitutif de l'histoire du monde. Bon. Ce que Engels et Marx vont expliquer. Et d'un mot, si vous me permettez, enfin, c'est Hegel voit l'histoire du monde comme ça, et il y en a un qui, un peu plus tôt, Joseph de Maistre, dit à peu près la même chose, le rapprochement n'est pas noir, dit à peu près la même chose en disant, finalement, la révolution et ses violences, c'est ce que Dieu fait à la France pour, en quelque sorte, la purifier, la rédimer, la sauver. Et donc, ces violences révolutionnaires rentrent dans le plan de Dieu. Et on a là affaire à l'autre aspect de la terreur telle qu'on l'a dans la tête, c'est le courage d'un individu tuant ou étant tué en se sacrifiant et au risque de son âme. Et là, on rentre dans le sacré. Alors, entre le climat culturel, olé olé, la philosophie politique extraordinairement intellectuelle, et puis la peur de la mort, et tout ça se noue pour dire que la terreur, finalement, rentre bien dans l'explication.
Ça me permet d'aller vers la fin de notre entretien et surtout de essayer de comprendre pourquoi la terreur est devenue une façon de penser le monde. Parce qu'on a la terreur révolutionnaire qui n'a jamais existé, mais elle a pris la place de la terreur des massacres des guerres napoléoniennes. Oui. Elle a pris la place oui. des massacres d'Espagne, oui. de l'Italie pendant oui. des années jusqu'au oui. sud. De la colonisation Absolument. De l'Algérie qui Absolument. 1830 1848 une abomination Absolument. Sans fin Absolument. De la colonisation Absolument. C'est devenu même une façon de j'allais dire de grader mmh. la vraie terreur le nazisme mmh. le stalinisme Absolument. Qu'est-ce qui pourquoi cette terreur qui n'a jamais existé est devenue comme ça? Moi j'imaginais que c'était une sorte d'entonnoir dans lequel on mettait des terreurs variées des événements et on ressortait une terreur chimiquement pure qu'on pouvait comprendre oui, oui. à l'aune de la terreur révolutionnaire oui. qui, on le redit, n'a pas existé. Alors, la terreur en tant que système n'a pas existé, les violences ont existé, mais c'est ce baptême-là qu'on interroge. Et ce baptême-là, effectivement, vous avez raison. C'est vrai qu'on n'a jamais imaginé parler de terreur, sauf en Espagne, pour parler des guerres napoléoniennes. En Espagne, si. Bon. Mais pas en France. Qui ont, et les guerres napoléoniennes ont coûté un prix humain considérablement plus important que toute la révolution. Les guerres coloniales, n'en parlons pas, mais ce qui se joue là, et je dirais depuis le début, c'est que cette invention de la terreur, je le dis tranquillement, c'est pour les gens qui la définissent comme ça, le moyen de se débarrasser des revendications de gauche de la révolution. C'est-à-dire la révolution sociale trop égalitaire conduit à des excès et que ces excès sont toujours dangereux. Bon. Et c'est là-dessus, par exemple, qu'un certain Michelet va buter. Tout partisan de la révolution qu'il soit, fasciné par Robespierre, il va buter là-dessus, il n'arrivera jamais à comprendre ce qui s'est passé pour que ce peuple devienne si violent. Il ne comprend pas non plus la Vendée, Michelet. Bon. Donc on a affaire là à un moyen de répondre en disant, en quelque sorte, c'est un feu rouge qu'on met. Si vous allez trop loin, vous allez tomber dans la terreur. Ce ne sont pas les bilans humains qui vont compter, c'est bien cette intention-là qui est dangereuse. Et signaler la terreur, c'est dire ne franchissez pas ce pas. C'est le pas qu'il ne faut pas franchir. Bon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette habitude de réfléchir là-dessus, qui va nourrir la pensée de Engels et un peu de Marx, hein, accepter la violence, que Lénine va accepter aussi, tout en se méfiant de Robespierre. Lénine ne copie pas Robespierre, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tous les cas, il y a là une acceptation de la violence à la fin du XIXe siècle, par Lénine, par Mussolini, bon, où on va faire rentrer dans la vie politique la violence politique dont on ne savait pas quoi faire. Mais en même temps, cette image de la terreur révolutionnaire demeure toujours vivante. Et elle demeure encore vivante lorsque dans les années 1960-1970, donc il n'y a pas si longtemps, on va identifier la terreur de la révolution au régime d'Hitler ou à l'URSS de Staline. Ça sera la grande discussion, notamment autour de 1989, avec la chute du mur. Et en quelque sorte, je dirais à ce moment-là, tout le monde pense de la même façon. De gauche ou de droite, tout le monde est en train de dire, bon, finalement, il faut qu'on arrive à comprendre comment est-ce que la terreur de 1793 a pu ou n'a pas pu nourrir le totalitarisme. Bon, moi, je dis, justement, c'est pas la bonne question. Et surtout, et c'est là-dessus que je termine ce livre qui se clôture en 2001, c'est de dire, finalement, et si cette terreur de la Révolution avait cessé d'être opératoire déjà depuis, allez, 1914. Parce qu'on vivait avec la terreur de la Révolution, mais en même temps, toutes les consciences européennes avaient été marquées par l'extraordinaire violence de la guerre de 1914-1918, qui avait tout changé. Et marquée aussi par la connaissance des guerres coloniales, qui commençaient à tout changer. C'est bien que ce lien entre
la terreur et 1794 étaient en train de s'atténuer. Et le début et la fin du livre, c'est de dire ce qui se passe aujourd'hui quand nous parlons de la terreur écologique ou de la terreur islamiste, pour employer les mots qui sont utilisés couramment, n'ont rigoureusement rien à voir avec la terreur de 94. Et de ce point de vue-là, et c'est pour ça que je termine en 2001, un peu étonnamment, un peu paradoxalement, il me semble que nous avons quitté le monde qui avait été créé par Tallien et ses amis en 1794, et nous sommes rentrés dans un autre monde où la terreur désigne autre chose, que nous ne savons pas bien nommer, mais que nous agitons aussi en disant « la terreur islamiste, c'est dangereux, on va multiplier les portiques de sécurité, on va tout filtrer, etc. Enfin, » si je le dis concrètement, c'est ça, c'est pas une vue de l'esprit. Invoquer la terreur islamiste, c'est changer de monde politiquement, créer de nouvelles règles, créer une nouvelle vie sociale. Donc la terreur, de ce point de vue-là, invoquer la terreur, c'est quand même aussi faire peur. C'est créer un nouveau monde. Mais ce nouveau monde n'a plus rien à voir avec 1794. De ce point de vue-là, si je puis dire, François Furet avait raison, la révolution est bien terminée. On s'arrête là. On s'arrête là.